Bonjour à tous, je suis Guillaume de JC Néobanque Banque en ligne. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi nos fameux IBAN, qu'ils soient français ou étrangers, sont refusés. Mais avant de commencer, je tiens, comme à chaque fois sous la vidéo, de vous demander de cliquer sur l'onglet Magasin, le petit onglet en forme de sac auquel vous y trouverez des sweats à capuche, vous y trouverez des t-shirts, vous y trouverez des tasses pour boire le café et le chocolat, vous y trouverez aussi des sacs, vous y trouverez aussi des t-shirts pour femmes, et vous pouvez donc contribuer si ça vous intéresse. Je serai ravi de voir que vous êtes satisfait de mon travail. Tout ceci est réalisé pour vous, donc n'hésitez pas, faites-y un petit tour et je serai très ravi d'y voir que vous avez contribué. On se retrouve juste après le générique, c'est parti. Vous ouvrez un compte en banque ou un compte en banque en ligne, ainsi qu'en banque, en fintech ou en néobanque. Il faut savoir que tous ces domaines sont assez différents. Même si la banque en ligne, la fintech et la néobanque sont trois termes différents, banque en ligne qui dispose d'une succursale, d'une agence mère, par exemple Société Générale, c'est Boursorama. Par exemple, on prend la fintech qui est à part de la néobanque. C'est assez similaire pour certains points, mais ce n'est pas le même agrément. Si on regarde les banques en ligne et les néobanques, c'est assez similaire car on y retrouve beaucoup de similitudes, mais ils ne proposent pas les mêmes options. Ils ont les mêmes agréments, certes, mais ils ne sont pas pareils. Alors, vous avez tout un tas de choix, vous ouvrez des comptes et vous avez un IBAN. Le plus souvent, ça a été les IBAN étrangers que nous avons eu du mal à faire passer en France, car les IBAN étrangers font encore débat polémique pour certaines banques. Ils sont totalement refusés, discriminés. Et là, c'est souvent nos fournisseurs d'accès mobile et d'accès Internet qui diffusent cela. C'est souvent la caisse d'allocation familiale qui refuse votre IBAN étranger, puisqu'il faut savoir qu'elle lutte contre la fraude s'il n'est pas européen. C'est souvent la CPAM auquel on s'empresse tout de suite de se rendre sur le site Amélie. Et là, sur le site Amélie, c'est pas la peine, on ne peut pas enregistrer son IBAN étranger. Mais il faut savoir, en termes d'IBAN, il n'y a pas que les IBAN étrangers qui peuvent être refusés. Nos fameux IBAN français, qu'ils soient de banques traditionnelles classiques, de bonnes vieilles banques physiques, qu'ils soient de banques en ligne ou de fintech ou de néobanques, ils peuvent être refusés. Alors, sans presser, quand on est dans une fameuse fintech ou dans une fameuse néobanque étrangère, sans presser pour tout faire, en sorte que cette fameuse fintech ou néobanque nous sorte un fameux IBAN français, déjà d'une part, sans presser ne sert à rien, car il se peut que le fameux IBAN qu'elle va vous sortir ne puisse être accepté en France, car même s'il est français, peut être refusé. Pour quelles raisons peut-il être refusé, qu'il soit étranger ou français? La première, c'est qu'il n'est pas reconnu dans la base de données, puisqu'il n'est pas enregistré dans la base de données informatique du créancier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que le créancier, la société, pense que vous ne pouvez donc pas être solvable et que vous ne pourrez donc pas payer vos prélèvements. La troisième partie, c'est que la fameuse banque, la fintech, la néobanque ne propose pas le prélèvement. Ça peut arriver que certaines banques ne proposent pas le prélèvement. Ils sont bancaires, mais ils n'ont pas mis en place le prélèvement. Et la dernière partie, ben, tout simplement, il est étranger et les sites internet ne le prennent pas en charge. Voilà. Donc, ça peut arriver qu'il soit français ou qu'il soit étranger. Là, ne vous dites pas tout de suite, mais ouais, mais moi je suis dans une banque française, je suis dans une banque en ligne, je suis dans une banque physique, mon IBAN il passe partout. Eh bien, il se peut qu'un jour ou l'autre, votre IBAN soit refusé et qu'il ne soit pas accepté par le fameux créancier ou la société auquel vous sollicitez remettre votre IBAN.
Eh bien, le plus souvent, ça arrive encore maintenant, et la seule qui est encore dans ce cas-là, c'est le compte nickel qui arrive assez souvent. Certains créanciers ne sollicitent pas le fameux IBAN du fameux compte nickel. Des raisons que le fameux compte nickel, certains le reconnaissent comme étant un IBAN qui n'est pas pris en charge pour des prélèvements. La deuxième partie, c'est qu'ils pensent que vous ne pouvez pas être solvable, alors que le compte nickel, il est tout à fait prélevable. Et la troisième partie, c'est que vous le mettez directement depuis un site internet, et souvent, les sites internet ne sont pas à jour. Alors, que faire si votre IBAN français ou votre IBAN étranger ne fonctionne pas sur le site internet, n'est pas pris en charge? Eh bien, déjà, première chose, il ne faut pas paniquer. Déjà, se dire, j'ai un IBAN étranger, comment je vais faire pour payer mes factures? Mon IBAN français, il n'est pas accepté, comment je vais faire pour prélever mes factures? Eh bien, simplement, il faut déjà attendre, prendre patience et de voir si ce n'est pas un souci informatique auquel il se peut que d'autres personnes auxquelles vous contactez, qui sont dans la même banque que vous, qui disposent d'un IBAN français ou d'un IBAN étranger, ont pu, eux, le faire accepter via le site internet. Attendez quelques jours avant que votre facture ne tombe et dépêchez-vous vite, voilà, ensuite de voir si vous pouvez le faire réaccepter par le site internet. Et là, si ce n'est pas le cas, ce soit un IBAN étranger, l'IBAN étranger, s'il n'est pas pris en charge, vous le verrez tout de suite. Ça, c'est une première des choses. La deuxième, c'est de voir déjà si la fameuse banque en ligne ou la fameuse néobanque ou fintech, si elle est nouvelle dans le pays, qu'elle dispose d'un IBAN français ou pas, eh bien, de voir sur le site vérif.com. Comme verifiban.com, comme vous l'avez écrit ici, verifiban.com. Sur ce site, il va vérifier votre IBAN, s'il correspond et que les prélèvements SEPA sont pris en charge. Les prélèvements SEPA, c'est BB2. BB2, s'ils sont pris en charge, vous y verrez que vous pouvez faire du prélèvement SEPA. Si le BB2 n'est pas pris en charge, votre prélèvement n'est pas mis en place par la fameuse banque ou la fameuse néobanque. Donc là, vous ne pouvez rien faire, c'est la fameuse néobanque de se charger de le mettre en place. La troisième partie, c'est peut-être que vous avez un IBAN qui n'est pas totalement pris en charge par tous les créanciers. Il peut, à partir de certains créanciers, être reconnu comme étant un IBAN qui n'est pas prélevable. Donc, pour eux, c'est pas faute de ne pas vouloir vous le prendre, c'est qu'il n'est pas reconnu comme étant prélevable. C'est la faute de la banque d'avoir émis des IBAN qui ne sont pas totalement pris en charge. Il faut que la banque fasse le nécessaire pour vous refournir un nouvel IBAN pour que celui-ci soit pris en charge. Le cas de chez le fameux FinTech, qui, depuis les années d'ouverture, son IBAN était un IBAN fourni par la société Trésor, Lydia, jusqu'à 2023, où Lydia a changé d'agrément bancaire. Et en prenant compte qu'elle a changé d'agrément bancaire et ont obtenu un nouveau code de banque, son IBAN a été revu pour qu'il soit accepté par tous les créanciers. Là, c'est le cas. Ensuite, si cela ne fonctionne pas, qu'il soit français ou qu'il soit étranger, que vous n'arriviez pas à le mettre en place sur le site internet, là, vous téléphonez à votre créancier, vous voyez avec lui s'il prend en charge la banque, s'il la prend en charge. C'est peut-être que l'informatique n'est pas à jour. Il suffit simplement de vous rendre chez votre créancier et de le faire valider manuellement, si lui peut le faire, si c'est une assurance, si c'est votre loyer ou si c'est un créancier qui est proche, si c'est les réseaux Internet ou mobiles auxquels vous êtes en créance chez eux pour votre facture d'Internet et de mobile, il suffit de voir en envoyant votre IBAN directement par courrier. S'ils le prennent en charge, c'est bon. S'ils ne le prennent pas en charge, il y a d'autres solutions. La mobilité bancaire, si vous changez de banque, la mobilité bancaire peut le faire par eux-mêmes. La mobilité bancaire a été créée en 2017 par M. Macron, notre cher
président, notre cher souverain, celui qui est dans la maison dorée que je ne citerai pas ici, qui lui a créé une bonne chose pour nous faciliter la chose. C'était une seule chose qu'il a pu créer correcte, la mobilité bancaire. C'est une partie où la banque va prendre 13 relevés bancaires et les 13 relevés bancaires de votre banque vont être là pour rechercher vos créances et mettre en place sur le nouveau compte vos créances sans que vous ayez à le faire. Donc là, il faudrait voir si vous pouvez faire une mobilité bancaire si vous changez de banque et ils se chargeront de remettre l'IBAN à vos créanciers. Si certains créanciers n'ont pas l'IBAN auquel vous sollicitez remettre cet IBAN, comme je vous ai dit, la première, c'est de voir s'ils peuvent le faire manuellement, de l'envoyer par la poste si c'est vos fournisseurs d'accès mobile ou Internet, s'ils le prennent en charge. C'est bien. S'ils ne le prennent pas en charge, la dernière partie, c'est de voir si vous pouvez payer par Internet. Payer par Internet, c'est via votre carte bancaire. Et là, nos fournisseurs d'accès mobile et Internet le font tous. Ils peuvent vous faire bénéficier du paiement via votre carte bancaire. Et ça, il faut le mettre en place. Vous le mettez en place et chaque mois, vous n'avez même pas à vous soucier. Ça sera prélevé sur votre carte bancaire. La toute dernière partie, c'est de vous rendre directement, si par exemple vous êtes en créance, comme par exemple le compte Nickel, qui arrive encore à se faire discriminer par la CPAM, où certains IBAN ne fonctionnent pas, Revolut non plus, et Bunk, les IBAN commencent à ne plus passer. Donc là, vous êtes embêté car chez Bunk, les nouveaux IBAN français qu'ils ont mis en place fonctionnaient jusqu'à maintenant. Et là, ils commencent à repasser sous le refus. Donc là, il faut quasiment jouer, comme je vous ai dit, par l'envoi postal ou bien de vous rendre sur place, voir votre créancier et de voir si lui peut le faire accepter. Mais si c'est la CPAM, là, ça sera de même que votre IBAN étranger. La partie étrangère, là, vous n'aurez pas à vous soucier, puisque le site d'Amélie ne prend pas en charge les IBAN étrangers. Mais si votre IBAN est français et qu'il ne fonctionne pas sur le site Amélie, comme pour votre créance, il faudra vous déplacer à la caisse d'assurance maladie avec une copie de carte d'identité, le RIB auquel vous sollicitez mettre en place. Votre ancien RIB, si vous en disposez, ou sinon sur une feuille blanche, il faudra mettre votre numéro de sécurité sociale, votre ancien IBAN, votre nom, votre prénom, et si vous avez déménagé, votre justificatif de domicile pour justifier de votre nouvelle adresse. Et eux, ils pourront prendre en charge, qu'ils soient étrangers ou français, votre IBAN qui ne passe pas sur le site de chez Amélie. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Il n'y a pas que les IBAN étrangers qui peuvent être refusés et discriminés. Il y a aussi nos fameux IBAN français. Alors, le jour où vous tombez sur votre IBAN qui ne passe pas sur le site auquel vous sollicitez le mettre en place, ne désespérez pas. Contactez simplement votre créancier. Faites voir si lui peut le prendre en charge. S'il le prend en charge, pas de souci. Pour vous, tout est réglé. Sinon, faites simplement un courrier, vous l'envoyez par courrier à vos créances. Si ceux-ci le prennent en charge, c'est bien. Sinon, vous allez sur place, CPAM, fournisseur d'accès mobile ou Internet, vous allez sur place et vous voyez avec eux si c'est possible de le mettre en place. Voilà, donc c'est très simple et eux feront les démarches pour vous. La mobilité bancaire qui restera la seule et unique chose si vous changez de banque, vous n'aurez même pas à vous soucier de l'IBAN s'il passe ou il ne passe pas. Et en dernière partie, si malgré cela il n'est pas possible car votre banque ne propose pas le SEPA ou l'IBAN n'est pas pris en charge du tout par le créancier, de regarder la possibilité de mettre en place votre carte bancaire pour prélever vos factures. Le cas de chez Vivid Money, qui ne dispose pas d'IBAN français et auquel il y a encore des créanciers qui ne prennent pas en charge, il faut voir pour payer par carte bancaire. C'est très simple et vous n'aurez aucun souci pour faire fonctionner vos prélèvements car ça sera pris sur votre carte bancaire. La CPAM, je vous l'ai expliqué, c'est directement avec votre copie de carte d'identité, votre justificatif de domicile si vous déménagez, votre RIB auquel vous sollicitez y mettre en place, l'ancien RIB si vous en disposez, ou sinon sur une feuille blanche, vous mettez votre numéro de sécurité sociale, vous mettez votre nom, votre prénom,
vous mettez le numéro d'IBAN que vous aviez sur le site Amélie et vous mettez tout ça dans une enveloppe. Vous allez directement à la CPAM, vous attendez 30 jours et au bout de 30 jours, tout est pris en charge. Voilà. Donc la CAF, c'est très simple, il n'y a pas vraiment de souci. Si au cas où la CAF ne prendrait pas en charge cette IBAN, il suffit comme pour la CPAM de vous y rendre et eux feront le nécessaire avec les documents nécessaires ou bien d'envoyer l'IBAN par la poste et eux se chargeront par eux-mêmes de le prendre en charge. Ils vérifieront bien et même que cette IBAN que vous disposez est un IBAN conforme et qu'il peut recevoir des prestations sociales ou bien des prestations d'allocation familiale sur le compte auquel vous sollicitez le mettre en place. Voilà. Mais généralement, là, c'est la CAF, ça passe sans aucun souci. Vous n'avez même pas à vous soucier. L'IBAN est pris en charge maintenant par la plupart des créanciers. Voilà. Mais si au cas où ça venait à vous arriver, faites la manipulation que je vous ai dit. C'est la seule et unique chose à faire. Vous n'avez pas d'autre chose. Qu'il soit français ou qu'il soit étranger, il peut être refusé pour tout un tas de choses auxquelles je vous ai cité dans cette vidéo. Alors, si vous avez des questions sur un IBAN français ou un IBAN étranger qui peut être refusé, sachez que seul l'IBAN, vous pouvez faire jouer la loi s'il est étranger. Mais en France, vous pouvez vous déplacer vers vos créanciers et voir s'ils peuvent le prendre en charge. Voilà. Donc, des questions? Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, c'était Guillaume, ciao ciao ciao.